Djitou de Jamaldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. La France est à une phase décisive de son histoire. Elle s'apprête à entrer de plein pied dans un modèle idéologique qui pourrait provoquer une rupture décisive avec son identité profonde. Elle est pour le moment encore dans l'œil du cyclone, mais un cyclone qui s'apprête à déferler sur toute l'Europe, voire sur tout le monde occidental et qui pourrait être source de bouleversements majeurs à l'échelle planétaire et dans la marche de l'histoire. En politique, lorsque les peuples sont à une croisée des chemins et qu'il leur faille faire un choix difficile, il n'y a que le premier pas qui compte vraiment. Le reste leur échappera inéluctablement. C'est une sorte de fatalité que l'histoire recouvre toujours des cendres de l'oubli pour lui permettre de se reproduire encore et encore. Ce qui a fait dire à Karl Marx que l'histoire ne se répète pas seulement, mais qu'elle bégaye. C'est ainsi qu'au sein des multitudes débridées, délibérément débridées, qui se sont laissées emporter par les exécrations inséminées, par ce qui est justifié comme étant de la préférence nationale, ou ce que les victimes d'une réelle dégradation sociale, faut le reconnaître, croient être un racisme de légitime défense, peu de gens sont en réelle capacité de pouvoir évaluer les tenants et les aboutissants de la situation. Encore moins les sombres perspectives, pourtant très prévisibles, qui pourraient en découler. Certaines tragédies humaines sont encore très près de nous, qui pourraient nous permettre de comprendre, avec le recul du temps, comment et avec quelle facilité, voire parfois avec quel frénétique enthousiasme, des peuples entiers se sont laissés fourvoyer. Comment ils se sont laissés entraîner par des apprentis sorciers qui leur ont promis la pluie bienfaisante et qui ont fait tomber sur leur vie, sur leur pays, sur l'avenir de leurs enfants, la grêle dévastatrice. La France en est là. Le dimanche 30 juin, les Français se sont massivement prononcés pour le Rassemblement national. Un parti d'extrême droite qui n'a pas que changé son ancienne appellation de Front National, un peu comme pour faire oublier ses anciennes professions de foi antisémites. Oui, pas que, parce qu'à travers sa rebaptisation, c'est un appel du pied, c'est à un appel du pied qu'il procède à l'endroit des forgerons de l'opinion publique et donc des faiseurs de rois. Fini pour le RN la politique de papa avec ses petites phrases, ses coups de sang, ses coups de gueule, son traditionnalisme catho. Désormais, ses priorités aux cathodiques et à ceux qui le contrôlent. Cela s'appelle de la politique réelle, donc sans état d'âme, de la comptabilité politique à deux écritures, combien ça coûte, combien ça rapporte. Voilà pourquoi, par exemple, le Rassemblement national a enfourché le cheval de l'antisémitisme et qui ne voit le conflit palestino-sioniste qu'à travers la seule perspective d'un Hamas terroriste, des otages israéliens et de la légitime défense d'un peuple encerclé d'Arabes et de terroristes, pour ne pas dire de musulmans. Les frères, en fait, de ceux des quartiers, semble-t-il nous suggérer avec force clin d'œil. Mais la victoire du Rassemblement national, dans cette première manche électorale, ne s'explique pas seulement par ce genre de choix stratégique. D'autres explications existent, qui ont convergé, qui ont constitué une sorte de synergie porteuse.
Parmi elles, et elles sont nombreuses, l'une découlant essentiellement du soutien de la gauche à la cause palestinienne, et qui a donc été peine bénie pour les gens de l'autre côté, de l'autre trottoir, de vrais extrémistes, pour mener une campagne très intensive, très subliminale de l'opinion publique, pour lui faire avaler des énormités qui ont pourtant profondément pénétré l'opinion publique française comme celle très primaire, très grosse, mais qui n'en a pas moins réussi à imprégner de très nombreux électeurs français, de faire passer le principal bloc de gauche pour un mouvement islamo-gauchiste. Vous imaginez un peu la gauche française islamiste entre Jean Bomber et Vert de Pinard, parce qu'elle est solidaire d'un peuple qui subit un carnage à ciel ouvert, parce qu'elle soutient des populations qui souffrent, des populations nationales françaises qui souffrent, islamistes, autrement dit terroristes, dans la logique de la suggestion subliminale entretenue par les EDL, éléments de langage. La gauche française terroriste. En tous les cas, c'est repris en boucle par tous les médias mainstream, avec le plus grand sérieux, sans rire. Mais il faut dire que les médias qui sont au service des lobbies et qui répandent ce genre de propagande primaire, mais non moins efficace, ont été très largement servis par certaines populations des quartiers dits difficiles, qui n'ont pas encore compris qu'elles donnent le bâton pour les battre, et pour battre les leurs, et pour battre les opprimés. Elles sont entrées, ces populations, dont la seule réaction qui leur semble possible pour exprimer leur ras-le-bol, l'incivisme, la délinquance, la dégradation du cadre urbain, du pain béni pour des lobbies et des opportunistes qui ont trouvé là une véritable aubaine. Un juteux fonds de commerce pour surfer sur la vague du ras-le-bol de gens qui ne reconnaissent plus leur pays, qui se sentent envahis par de nouvelles mœurs, par une insécurité venant des mêmes milieux ethniques, où nous pouvons dire en réalité que sans les attitudes de ces malheureuses populations, ghettoisées et discriminées à un point où elles ne pouvaient que dégénérer, sans elles, les semeurs de haine et néanmoins vedettes politiques de la détestation seraient restées d'obscurs inconnus. D'autres causes existent aussi. Il est facile d'imaginer pourquoi ces causes ont été délibérément et totalement occultées, ignorées par les faiseurs d'opinion, à un moment où il aurait fallu en débattre dans l'urgence. Ils ne pouvaient pas gâcher de telles aubaines. La situation actuelle a été longuement maturée. Elle n'est pas le fruit de hasard. Des officines occultes sont à la manœuvre et il ne tient qu'au peuple d'y faire face. À dimanche prochain. L'édito de Jamel Din Benchenouf.